Bonjour tout le monde. Je suis ravi de vous revoir après autant de pauses, on va dire, sur les salons dû au Covid. Je vous remercie déjà tous de respecter les consignes, déjà, c'est super sympa de votre part. Donc merci déjà à vous, merci de faire ce salon aussi. Et aujourd'hui, donc, nous allons débuter une conférence sur le métier de comédien, mais un métier bien particulier, celui du doublage. Généralement, la plupart d'entre vous regardent en VO la plupart des séries, des films, etc., etc. Mais il y a aussi une version française et qui compte avec des comédiens de talent. Et aujourd'hui, nous allons les accueillir. Et pour ce, déjà, je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Beaucoup de bruit pour eux. Ils sont juste derrière. Et je vais les annoncer un par un, et ils vont venir nous rejoindre sur cette scène. Alors, est-ce que dans cette salle, vous êtes allé voir des films comme Justice League ? Moi, j'entends rien. Peut-être que personne n'est allé le voir. Vu le score box-office, peut-être que c'est le cas, pour le coup. La version de Zack Snyder, au moins ? Voilà, déjà, il y a plus de bruit. Le Joker, peut-être ? Il a fait plus d'un milliard, donc je pense qu'effectivement, vous avez dû aller le voir. Et pour ceux... Je vais vous demander d'accueillir très fort Boris Rollinger. Qui va arriver. Boris, tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Où tu veux, mon bobo. Maintenant, moi, il y a un film, quand j'étais ado, alors ça commence un peu à dater, hein, maintenant, je vous le cache pas, qui m'avait marqué, peut-être vous l'avez vu, il y en a eu quatre. C'était sur un jeune homme qui, dès les premières scènes, essayait de voir ce que ça faisait de faire l'amour avec une tarte aux pommes chaude. Ça s'appelait comment déjà ce film ? American Pie, effectivement. Et il y avait un personnage, moi j'en étais complètement fan, pour moi c'est lui qui fait la quadrilogie, hein, lui tout seul, c'est Stifler. Est-ce que vous vous souvenez de Stifler ? Ouais. Mais en même temps, Stifler, il partage aussi sa voix avec un autre acteur qui est multi-récompensé, c'est Woody Harrelson aussi, que vous avez peut-être pu entendre dans plein de films, Three Billboards, Carnage plus récemment. Et je vais vous demander d'accueillir très, très fort aussi Jérôme Powells, s'il vous plaît. Merci Jérôme, assieds-toi où tu veux. Et mon prochain invité, du coup, y a un gars vraiment pas sympa. Moi généralement, je le vois toujours faire des rôles patibulaires, et là il doit être en train de fulminer derrière si je dis ça. Mais il m'a marqué, Negan, par exemple, vous voyez Negan. Lui c'est vraiment un mec qui est vraiment pas sympa pour le coup. Mais en même temps aussi, il fait une paire très complémentaire avec Jérôme, puisqu'il est le doubleur officiel de Tom Hardy, que vous avez pu entendre aussi bien avec Bane, mais aussi avec Venom, Eddie Brock. Je vous demande d'applaudir très très fort Jérémy Covillo, s'il vous plaît. Ensuite, on va passer dans un univers un petit peu différent. On va passer dans l'anime. Vous êtes fan de manga ici ? Moi, pas tellement, visiblement. Hein. Mais vous êtes fan de manga ici ? Oui ! Ok, si je vous dis pêle-mêle, My Hero Academia, vous connaissez ? Oui ! L'Attaque des Titans, vous connaissez ? Food Wars, vous connaissez ? Oui ! Et bien d'autres. Et il y a une même voix derrière Midoriya, derrière Eren Yeager, derrière Soma, derrière Karma dans Assassination Classroom. Je vous demande d'applaudir très très fort Bastien Bourlet ! Et mon dernier invité est pas des moindres. Alors, je vous cache pas, il a une carrière pareille qui est longue comme le bras, mais moi, il m'a absolument marqué dans un dessin animé dont je suis complètement fan. C'est l'histoire d'un scientifique qui est un peu toujours bourré et puis qui se traîne un petit poids mort avec lui, généralement. Le gamin, il s'appelle Morty, mais je me souviens plus comment il s'appelle, le savant qui est toujours bourré. Est-ce que vous pouvez m'aider ?
Rick Sanchez, hein, c'est ça. Mais en même temps aussi, il a fait la voix d'un personnage qui est hyper capital dans une petite série qui n'est pas trop connue. Là, ça s'appelle One Piece, je crois, c'est un truc sur les pirates. Je crois que c'est inspiré de Pirates des Caraïbes, c'est clairement pompé dessus. Et il fait la voix de Zoro, l'un des personnages qui est les plus importants dans cet univers. Et je vous demande d'applaudir très très fort Monsieur Alain Éloi. Eh bien, vous êtes tous là, pour le coup. Donc, vous avez vos micros, messieurs, hein, devant les tables. Et puis, bon, moi, je vais commencer par une question. Au final, moi, j'adore le cinéma, j'adore les séries télé, j'adore les mangas. Et du coup, bah, y a peut-être une question pour commencer tout ça. C'est comment on devient doubleur, les gars ? Bon, j'attaque. Vas-y, Boris, fais-le. J'attaque. Alors, on n'est pas des doubleurs. Ça commence mal. Les doubleurs sont les entreprises qui nous emploient. Là, ce sont nos employeurs. Nous sommes des comédiens qui faisons du doublage, mais on fait pas que ça. On tourne, on joue au théâtre. Voilà, on fait des voix de pub, des documentaires, et le doublage est une partie du métier. Donc les doubleurs, ce sont ceux qui nous emploient. Plus jamais, hein. Donc tu sors. Allez, merci. On t'avait prévenu pourtant. On t'avait dit déjà. Mais du coup, alors, on vous appelle comment? Parce que moi, j'entends plein de termes, j'entends des comédiens, Fouxo, etc. Des comédiens qui faisons aussi qui faisons du doublage, mais c'est une de nos activités. Voilà. On ne fait pas, voilà, doubleur, ça n'est pas effectivement une appellation juste. Après, il y en a qui vraiment s'insurgent, ça me dérange pas, mais voilà, c'est comme dit Boris, les doubleurs sont c'est le nom des entreprises qui nous emploient en tant que comédiens. Pour faire du doublage. Après, comment on devient doubleur ? Comédien ? Comédien de doublage ? Après, bah, ça, ouais, on a tous un peu nos parcours respectifs. Je crois qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de recettes. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, les garçons, mais voilà. Toi, tu as commencé comment, toi, le doublage ? Ouais. Moi, j'ai commencé par faire du théâtre. À peu près à mon avis, comme tout le monde ici. En gros, on fait du théâtre et puis un jour, on passe les portes d'un studio de doublage et il se fait que ça match ou ça match pas parfois. Et puis voilà, je vais pas dire on gravit les échelons, mais on se forme petit à petit. Dans mon cas, par exemple, j'étais exécrable techniquement, une catastrophe. Par contre, j'avais 15 ans de théâtre derrière moi, donc il y avait au moins cette qualité-là. Par contre, j'en plaçais pas une. En place, tout était à côté, c'était une véritable catastrophe. Et on me l'a fait remarquer d'ailleurs au début. On m'a dit, t'as de la chance de ne pas être trop mauvais acteur, parce que qu'est-ce que t'es mauvais techniquement. Puis on se forme, on apprend. Oui, moi je jouais au théâtre aussi. Je pense que la voie de l'apprentissage de la comédie est incontournable pour accéder aux joies des studios d'enregistrement. Et un directeur artistique de studio est venu me voir jouer, que j'ai rencontré totalement par hasard ou pas la semaine suivante et qui m'a invité à venir faire de la post-synchro dans un studio. Et je dois dire à titre personnel que y entrer, ça se passe, oui, par le théâtre ou par le spectacle. Y rester, c'est parce que t'adores ça. Ouais. C'est parce que c'est trop bien. C'est voilà, enregistrer, faire la voix de quelqu'un, que ce soit pour des animes ou pour de la viande, quand c'est pas dessiné, nous on appelle ça des films en viande. C'est un bonheur de tous les instants. Il y a pas, voilà, il y a pas à tortiller. Donc voilà, on y entre par le théâtre et on y reste par goût, par passion. Hein, Bastien ? Exactement. Ça mérite d'être clair. Non, il ne veut pas nous parler de sa vie. Ah non, mais oui, bah, ça ne va pas être très original, c'est le même parcours. J'ai commencé par faire du théâtre. Enfin, après, c'est pareil, on passe par des écoles, on se forme. Moi, après, je ne suis pas de la même génération, donc le métier avait déjà un petit peu évolué, un peu changé. Ah. Les portes d'entrée n'étaient pas les mêmes. Que vous savez très bien que ça a évolué et que ça ne fonctionnait pas de la même manière. Donc, on n'est pas venu me chercher au théâtre. C'est plutôt moi qui me suis déplacé dans les studios pour essayer de voir s'il y avait moyen d'y rentrer, d'en faire. J'ai fait des rencontres. On m'a permis effectivement d'assister. Ça prend parfois plusieurs mois. Et puis après, on commence souvent par des ambiances, des petits rôles, des petites phrases à droite à gauche. Et effectivement, comme tu dis, on gravit les échelons si on y arrive en fait.
Donc si j'entends bien, au final, il y a plusieurs types de jeux que tu peux avoir. Tu parlais du doublage d'ambiance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça ? Bah, les ambiances, en fait, c'est juste que quand tu as une situation, une scène dans un restaurant, tu entends les gens dans le fond qui discutent, tu as peut-être le serveur qui fait une phrase, ce genre de choses. Mm-hmm. Et ça, faut l'habiller, faut le faire. Ouais. Donc en général, quand tu peux le faire même par la suite, hein, mais quand tu débutes, tu passes par là. Donc tu te retrouves, ça a un peu changé avec le Covid, mais à plusieurs comédiens, tu peux être 4, 5, 10 derrière le micro et puis à faire des ambiances, à faire des phrases, à improviser, ce genre de choses. Donc c'est pas... Ça fait partie des plus petits rôles par lesquels tu commences à doubler. Et puis après, si tu t'en sors bien et si tu éventuellement aussi tu as de la chance, tu peux aller plus loin et faire des vrais rôles du coup derrière. Ouais, les ambiances, c'est l'équivalent de la figuration, des silhouettes en tournage, au cinéma. C'est pas forcément des choses qui s'entendent très clairement quand on est spectateur. C'est parfois simplement une nappe comme ça de gens au restaurant qui papotent, ou c'est ça, peu importe la situation. Mais si c'est fait en français, ça, le spectateur, nous en tant que spectateur, on perçoit que c'est du français et que c'est pas un brouhaha comme ça, informe. Américain. Donc il faut le faire aussi. C'est du texte qui n'est pas écrit, qui est improvisé, en situation, au micro. Ouais. Voilà. Et c'est très formateur dans le sens où ça t'oblige à t'imposer au micro, à improviser des choses, à être vivant derrière le micro. Donc quand tu passes par là, une fois que tu te retrouves avec des rôles un peu plus conséquents, tu as déjà ce rapport au micro, à la barre, à l'écran, etc. Donc moi ça m'a permis, j'en ai fait comme nous tous, ça m'a permis de d'être plus détendu, parce que c'est très impressionnant hein, quand la première fois que tu arrives à la barre devant l'écran, la barre, qu'est-ce que c'est, enfin, que la barre n'existe plus et voilà, mais enfin la barre devant le micro, quoi. Bon, La barre, parce qu'on a une petite barre. Ouais, la barre est faite pour pas qu'on s'approche trop qu'est la limite. Du micro pour garder une distance. Garder la distance au micro. Et c'est vrai que moi, la première fois où je me suis retrouvé en studio, j'étais sur une ambiance. En plus, on devait être une quinzaine. Un film de guerre. Un film de guerre, oui, bien sûr. J'emmenais pas large. Et donc, voilà, petit à petit, tu commences à te détendre un peu. Et bah, quand tu attaques des rôles plus conséquents, c'est. Voilà, tu étais un peu plus à l'aise quand même. Et on passe des essais, comme pour toujours maintenant. Et on en rate. Et on en rate beaucoup. Des fois, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et justement, alors, ça me permet d'aborder le point aussi. Enfin, vous avez quand même tous, en quelque sorte, des acteurs ou des personnages qui vous sont attitrés. Ils vous sont acquis, généralement. C'est-à-dire que toi, par exemple, Jérôme, tu feras toute ta vie, c'est acquis, Woody Harrelson. Toi, Alain, tu feras tout le temps un Rick Sanchez. C'est signé à vie, quoi, en quelque sorte. Non. C'est rarissime que dans le métier qu'il y ait officiellement un acteur et une voix française associée à un comédien étranger. À ma connaissance, c'est arrivé que deux fois dans l'histoire du cinéma. Une fois pour Tony Curtis. Alors, ça ne va rajeunir personne. Hein. C'était le mec qui était dans Amicalement Vôtre. Et il y avait un gars qui s'appelait Michel Roux qui faisait sa voix, lequel n'avait une voix qui n'avait rien à voir avec la voix de Tony Curtis. Mais ce type-là, Tony Curtis, lorsqu'il s'est entendu en français, il avait une femme française, lorsqu'il s'est entendu en français, il a fait « Ouh, voilà le gars qui parvient à mettre le sourire que j'ai dans mon œil dans la voix. » Et il a exigé que ce soit Tony Curtis qui le double à chaque fois. L'autre cas, il est un peu plus récent et un peu plus triste parce qu'il est fini maintenant, c'est Patrick Poivet et comment s'appelle-t-il ? Bruce Willis. C'était une blague. Petit coquin. Voilà, où Bruce Willis a demandé dans ses contrats, et spécifiquement que ce soit Patrick Poivet, qu'il fasse sa voix française, assez sûrement pour les mêmes raisons que celle de Tony Curtis, à savoir que ces hommes-là en français ont le pouvoir par leur voix d'ajouter ou de souligner quelque chose qui est dans l'œil du comédien original. Alors que Patrick et Bruce Willis n'avaient pas à la base du tout, tout la même voix. Et Bruce Willis a dit à Patrick Poivet, si j'avais eu ta voix, j'aurais eu un Oscar. Il a dit ça, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il n'aimait pas sa voix par rapport à celle de. En l'irlande original, Bruce Willis, c'est pas possible, quoi. Non, c'est pas fou. Un canard. C'est pas possible. Oh, ça va très bien à certaines personnes, une voix de canard, excusez-moi. Oui, c'est vrai. C'est mon métier, moi.
Mais alors, du coup, vous repassez des auditions systématiquement. Alors, enfin, audition, est-ce que c'est le terme pour le coup ? Il y a une espèce de gentleman agreement. Peut-être après, dans le métier a tendance, une fois qu'un comédien a trouvé sa voix, c'est-à-dire que humainement, on considère, nous, hein, que ça va bien, que Boris est parfait sur Colin Farrell, que Jérémy est parfait sur Tom Hardy, etc. Si quelqu'un vient nous proposer des essais pour faire Colin Farrell ou Tom Hardy, on va faire... Oh, bah non, on n'est pas libre. Non. On n'est pas libre, on n'est pas là. On les passe pas. Non, non, non. Mais ça n'est pas écrit, c'est pas gravé dans le marbre. C'est après, il y en a certains qui se gêneront pas pour aller passer le casting. Hein. Il y en a. Il y en a, ouais. Ça peut arriver. Mais nous, on a la chance d'être aussi très copains dans la vie. Et mon petit chat. Et non, non, mais voilà. Donc il y a un vrai respect de ça. Et puis de toute façon, les majors, enfin, quand tu as doublé un acteur. Avec succès, entre guillemets, plusieurs fois d'affilée, il y a les clients, enfin les majors, respectent aussi les fans de VF. S'ils s'expriment. S'ils s'expriment. Si les femmes, les fans donc s'expriment. Donc c'est important que vous vous exprimiez aussi. Ah ouais. Et vous avez vraiment votre mot à dire. Et vous êtes entendu, vous êtes écouté. On a tendance à nous rappeler, si on a fait un mec, un acteur sur 4-5 films d'affilée. A priori, on va te rappeler pour le suivant, etc., etc. Donc, grosso modo, si une voix d'un comédien change, un petit tweet, ouais. On se plaint, on s'énerve, c'est un scandale parce que c'est un manque de respect. Voilà. Mais c'est ce qu'il faut faire. Mais alors, c'est arrivé d'ailleurs. Oui, c'est arrivé à certaines, ouais. certaines personnes. Mais alors, du coup, là, c'est pareil, je suis un peu candide, mais on va parler de mon avis, de mon ami, pardon, j'en bafouille, David Kruger, qui n'est pas là. Pourtant, c'est la voix attitrée de Dwayne Johnson et je l'entends avec deux voix différentes, ouais. Moi. Alors comment ça se fait ça du coup? Est-ce qu'on a une raison? Est-ce qu'on peut en parler potentiellement? C'est parce que t'as pas assez râlé. Non, il y a... Mince. Non, il y a... Je sais pas. Attends, il cherche. Moi, merde. On cherche une excuse. Il y a David et... Jonathan. Non. Il y a Bruno. Ah, c'est une référence que tout le monde a. Guillaume Morsa. Guillaume Morsa qui le fait. The Rock, Dwayne Johnson. Et Bruno Duberna aussi. Ouais, ah bah oui, mais beaucoup, beaucoup moins maintenant. Ah. Voilà, mais parce que pour une major, ils ont décidé que c'était David. Et pour beaucoup, il y a une major qui prenne notre camarade Guillaume Orsa. Voilà, c'est comme ça. Je partage. D'accord, ok. Donc au final, c'est le client qui a décidé quoi ouais. qu'il en soit. La décision ultime, elle revient à celui qui finance, hein, dans tous les cas. Mm-hmm. Donc voilà. Et justement, alors toi, du coup, Jérôme, tu as une étiquette en plus qui est celle de directeur artistique. Mm-hmm. Et justement, toi, en tant que directeur artistique, comment, en quelque sorte, tu peux repérer une voix est-ce que tu peux imposer aussi quelqu'un au client final en disant « Écoute, celui-ci, même si ça ne te convient pas, moi, je sais que ça va fonctionner. Mm-hmm. » Est-ce que ça peut fonctionner, quelque chose comme ça ? Oui, ouais, assurément. La fonction de directeur artistique, donc c'est d'abord ça se passe pour choisir les voix qui vont coller sur le film que tu as en charge. Hein. On te donne un film à doubler, c'est toi qui te charges de faire le casting. Petit 1, petit 2, c'est toi qui te charges d'orienter sur le plateau le jeu, les nuances que vont proposer les copains, les acteurs qui ont été sélectionnés. Pour faire le casting, soit il y a la mécanique des essais qu'on peut t'imposer, c'est possible. Mais aussi, puisque tu es directeur artistique, que tu ne fonctionnes qu'avec ton ressenti, qu'avec ton émotion, tu peux, comme tu dis exactement, proposer avec force de mettre Boris sur, par exemple, la petite souris rose qui apparaît dans la boucle 18 et qui revient après déguisée en licorne, ou Bastien dans le serpent violet qui arrivera dans la boucle. On peut dire, bah voilà, moi ces gars-là, je le sens bien, c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde au premier abord, mais faites-moi confiance puisque de toute façon, c'est moi le directeur artistique, vous m'avez fait confiance, je vous suggère fortement de faire ça. Ce à quoi on peut te répondre, oui. Nous confirmons la confiance que nous avons mis en toi, Jérôme. Ou alors, jamais de la vie, tu mets ce qu'on t'a dit. Voilà. Mais c'est vraiment du ressenti. C'est vraiment la connaissance qu'on a et du jeu des uns et du jeu des autres. Le désir aussi qu'on a de les entendre sur X ou Y personnages. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ok. Merci en tout cas, Jérôme.
Et du coup, je vais m'adresser un peu plus à Alain du coup, et Bastien. Moi, c'est par rapport au final au manga, même aussi bien au dessin animé d'Adult Swim avec Rick et Morty. Comment on y arrive? En gros, comment on se dit au bout d'un moment, je pense que ça peut être pour moi? Est-ce que vous vous projetez en quelque sorte dans le personnage? Je dis pas qu'Alain, tu passes ton temps à vomir ou à mettre des coups de sabre à d'autres pirates, mais comment au bout d'un moment on se dit, ça, je vais y aller, je vais tenter le coup parce que je pense que je suis fait pour ça? Est-ce qu'on vous a contacté ou alors vous y êtes allé au culot, quoi, carrément? Dans le cas de Rick, je me souviens, on m'a téléphoné pour passer le casting. Il y avait trois acteurs qui passaient le casting. Et je suis arrivé, c'était un samedi matin, il était 9h du matin et j'avais un peu picolé la veille. Ça collait pas mal finalement, et puis j'ai fait cette proposition de cette voix complètement pétée en me disant, est-ce que ça va passer? C'est peut-être un petit peu too much, mais comme j'étais encore un peu bourré de la veille, tant qu'à faire, je me suis laissé aller, et puis voilà, après c'est arrivé au client. Et le client a été assez con pour me prendre. Et depuis, moi, je m'éclate comme un malade. Et d'ailleurs, je mets au défi quiconque de me piquer mon rôle de Rick. Donc en fait, à chaque fois que tu te doubles, tu te mets une mine, en fait. La veille. mais c'est pour le boulot. C'est pas nécessairement à chaque fois que je double. C'est encore un peu plus régulier que ça, quoi. Alors, c'est pas de l'eau dans les bouteilles. Et en plus, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, j'en ai parlé avec Rick Sanchez et il confirme qu'effectivement, c'est moi qui dois continuer à le doubler. Il t'impose au final. Il m'a imposé. Pour ceux qui le savent pas, en VO, celui qui fait la voix, qui est un des co-créateurs de la série, picole à chaque fois pour faire Rick. Ah, c'est une légende. Non, il y a des vidéos. Il picole pas à chaque fois. Si, il y a des vidéos. Il prend des shots systématiquement pour avoir le grain et la folie du personnage. En tout cas, pour roter comme ça, il faut y aller, je veux dire. Alors, l'anecdote, dans mon cas, ici, c'est que au début, je faisais l'héros. Mais c'était très compliqué. Et en plein milieu d'une phrase, c'est vachement compliqué. Donc, du coup, je faisais ce qu'on appelle une banque. Donc, une banque de raux. C'est assez dégueulasse, j'allais prendre de l'eau pétillante ou du coca, et puis je rotais des coups, et là-dessus, l'ingé son, voilà. Et maintenant, il y a un ingé son qui a imposé d'être l'ingé son attitré de Rick et Morty. Donc personne ne peut lui piquer son rôle, donc il est l'ingé son, et je lui ai dit, si tu veux jouer dans Rick et Morty, tu peux. Et donc c'est lui qui maintenant fait la banque de Raw, il est super heureux. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai enregistré des roues. Voilà, ah, c'est exactement. Beau métier. Et toi, du coup, Bastien, au final, alors, on a compris, hein, du coup, Alain, il se met une mine à chaque fois. Voilà. Mais toi, est-ce que tu tires des 34 tonnes pour faire des coups? Est-ce que tu cuisines pour faire Soma? Je cuisine pour manger, mais rien à voir avec le doublage. Et tu fais la voix en même temps? Non, je peux. Alors, pas, du coup, toi, comment tu te projettes sur tes personnages au final? Comment quoi? Pardon. Comment tu te projettes, toi, au final, sur tes personnages, de te dire, je vais l'interpréter comme ça? Est-ce que tu te calques sur la voix originale? Est-ce que tu Oui, forcément. Le truc, c'est que dans le doublage, tu as quand même une VO, donc tu as un support, tu as une interprétation qui est faite sur laquelle tu es censé te calquer un minimum, avec évidemment ta personnalité et ton jeu. Et puis, tu as aussi un DA, un directeur de plateau, directeur artistique, peu importe le terme exact, mais qui lui aussi va te diriger. Donc. Qui, par sa sensibilité, son point de vue, peut avoir envie de, que ce soit joué de telle ou telle manière ou que ce soit interprété de telle façon. Et puis la force aussi de l'animé ou du dessin animé, c'est que comme c'est un personnage, c'est quelque chose qui a été créé et que c'est pas précis non plus tout à fait au niveau du labial, des mouvements de la bouche. Et ensuite, entre ce qui est fait de la VO et de ce qui est fait à l'image, surtout quand c'est japonais où il y a quand même une différence, on peut se permettre de s'appuyer plus sur l'image que sur ce qu'a fait le comédien original. Et un DA peut te dire, effectivement, là, je veux que tu pousses plus telle intention parce que ça se collera mieux, finalement, à ce qu'on peut voir par rapport à ce qui a été fait. Ouais. Donc, il y a un support, il y a un DA qui va te diriger, te dire ce que tu dois faire. Et puis après, tu as ta propre sensibilité. Mais l'idée, c'est... j'ai un personnage fragile, je joue la fragilité, la voix va suivre fatalement. J'ai un personnage un peu plus colérique, la voix ici va aller dans une autre intention, je vais être peut-être un peu plus brutal, me poser différemment. Donc,
c'est ton personnage, ton comédien qui va te donner un petit peu le là et te dire comment, dans quelle direction tu dois aller, enfin, pour moi en tout cas. Et justement, là, je vais faire une question un peu collégiale pour vous tous. C'est un peu plus sensible du coup pour Jérôme, parce que peut-être que ça va le mettre lui-même en confrontation avec son autre étiquette, mais c'est, est-ce que vous avez un jour dit « Non, je ne l'interpréterai pas comme ça ». C'est « Ok, il y a un directeur artistique, ok, il me demande de le jouer comme ça, mais moi, je ne le ferai pas comme ça ». Et sur un rôle, et si vous avez le droit de nous dire un rôle, par exemple, moi, par exemple... Je dis n'importe quoi, Jérémy. Moi, non, Negan, ce sera comme non, ça. Alors, pas sur Negan, mais j'ai eu une expérience un peu particulière sur Bane, dans Dark Knight Rises, où on me demandait de faire exactement ce que Tom Hardy fait en anglais. Et en anglais, il fait quelque chose de très particulier. Je dis, not all the time. Avec un accent, une espèce d'accent écossais. Enfin. Il y a même des moments où on dirait un meupette, quoi. Enfin, non, mais c'est ce qui a été dit. Enfin, il y a des spectateurs anglo-saxons qui n'étaient pas forcément d'accord avec son interprétation, que je ne remets absolument pas en cause. Je le trouve magnifique dedans. Mais si j'avais dû le faire en français, j'ai essayé. Ça donnait quelque chose d'un peu... Voilà, ça en frisait parfois le ridicule. J'aurais parlé comme ça tout le temps, monsieur Wayne. Bon, c'était un peu spécial. Et je me suis permis de dire... je suis pas certain que ça passe. Alors ça passait très bien en allemand, par exemple. Bon, voilà. Mais en français, j'étais pas persuadé. Et on a fini par, j'ai fini par être en discussion avec Christopher Nolan directement. Et je lui ai, proposé ma vision de la chose, qui était un petit peu plus. Alors je respectais ses intonations, les trucs un petit peu. Particulier parfois, mais avec quelque chose d'un peu plus caverneux, un peu plus proche de Dark Vador, par exemple. Voilà. Et Nolan a été assez ouvert là-dessus. Je lui ai vraiment, avec toute la bonne volonté du monde, fait une copie conforme, entre guillemets, de ce que Hardy faisait en anglais, en français, et puis ma proposition, entre guillemets. Et il m'a fait confiance, et il a approuvé ce que je proposais, et voilà. Mais c'était pas par... Il n'y avait pas de fierté mal placée, il y avait pas de, je ne voulais pas m'approprier le truc. On est obligé de s'approprier un peu le truc, tout en respectant le travail de l'acteur original, mais on est obligé d'adapter en français. On peut pas jouer avec exactement les mêmes intonations que les acteurs américains, sinon on jouerait tous comme ça, Billy, ouais. Et ce serait... tu vois ce que je veux dire. Donc on est obligé de respecter leur travail, tout en se l'appropriant un petit peu, pour le rendre crédible en français. Et voilà, mais après, ça n'a pas été non, je ne veux pas le faire comme ça, non, je refuse. On est quand même au service de l'acteur qu'on double, et au service du personnage. Et nous, notre boulot, c'est de, enfin, je pense, de rendre justice le plus possible au travail original de l'acteur. Moi, ça a été pour King Julian dans Madagascar. Parce que ce que fait Sacha Baron Cohen, il fait un peu ce que fait Peter Sellers dans The Party, il a une espèce d'accent indie. Donc ça ne marche pas en français. Donc il a fallu trouver quelque chose. Et là, pour le film d'animation, qui sont. Alors là, quand c'est des gros 35 avec beaucoup de moyens, les labiales, ce qu'on dit les labiales, c'est les M, les B, les P, les V, le demi-labial F, et ça, il faut que les labiales. De la langue originale correspondent pile poil avec le français, c'est là où un texte devient synchrone. Puis après, il faut que ce soit bien écrit, parce que c'est sûr que si vous doublez What I Do in Fucking Dog dans Peaky Blinders, vous doublez Versailles, évidemment, si les labiales sont les mêmes, mais c'est pas la même prosodie, c'est pas la même qualité de langage. Voilà. Donc là, en revanche, pour les voix de personnages de dessins animés, moi, ou même des acteurs qu'on double, c'est le corps. C'est-à-dire que si je ne fais pas les yeux comme ça, la voix ne sort pas. Pour qui, Julian ? Voilà. Et en fait, c'est en mettant les yeux que tout d'un coup, la voix, elle est sortie. Un morti. Bonjour les pieds. Voilà. Et si je ne fais pas les yeux, la voix ne sort pas. Donc, c'est plus l'image qui m'a permis de sortir cette espèce de voix, ou comme dans quand le grand méchant renard. Bonjour, est-ce que les oisillons sont-ils prêts ? Voilà. Et donc, j'ai vu des images et on se met dans la posture du personnage et tout d'un coup, une voix sort. Et là, ça a été différent parce que le King Julian en français n'a absolument rien à voir en anglais, parce que c'est pas, pour le coup, retransposable. Mais je crois que c'est la seule fois où ça m'est arrivé pour moi.
toi, Dieu. Le, une version française de, d'un film qui a déjà été tourné avec un acteur qui est déjà à l'image. Il n'y a pas 36 manières de le faire. Il faut épouser totalement ses intentions, point, à la ligne. À compter de cet instant-là, on peut discuter de ses intentions. Est-ce que tu as compris ça? Moi, je ressens ça. Ben, finalement, on est d'accord. Ah bah alors, là où on n'est pas tout à fait d'accord, c'est sur la façon que j'aurai de le traduire ou de le retranscrire. Tu vas m'aider, toi, directeur artistique, à accéder, à accoucher de cette même façon, de cette même intention, de manière à ce que ça fitte. Il ne s'agit pas de le faire 40 fois, au bout de 3 fois, ça va, il n'y a pas de problème. Et le, pas dire que la magie s'opère, mais l'unité se fait entre ce qu'on voit, ce qu'on perçoit de l'intention dans la voix et donc en gros ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de choix d'interprétation sur, sur une phrase. Après, on peut ajouter une petite pincée de sel, un petit bricolis, quelque chose d'un soupçon personnel qui va venir enrichir, mais pas trahir, d'accord ? Enrichir. Et alors ça passe par des expressions, par des, peut-être des tournures de phrases, des petites blagues, des choses. Quand on peut le faire. Quand on peut le faire. Quand on peut le faire. Mais bon, on nous laisse pas. Sinon, on nous laisse pas assez souvent faire. En fait, c'est ça. Moi, j'allais dire, on nous laisse assez souvent faire, mais non. En fait, non, on nous laisse pas assez souvent faire. On fait vraiment pas ce qu'on veut. On fait pas ce qu'on voilà. veut. Hein, c'est... On aimerait bien revenir, entre guillemets, au temps d'Amicalement Vôtre, où ouais. le gars disait Votre Altesse chaque fois qu'il disparaissait de l'image, où il ressortait une petite blague. Où, mais bon, ce temps-là est passé. Oui. Voilà. Donc... Ah, on fait le tour chacun. D'accord. Okay. Non, moi, je n'ai pas d'anecdote particulière, mais effectivement, tu peux te permettre, pour une situation, une scène, à un moment donné, une intention de... Pas, je dirais pas forcément remettre en cause, mais dire effectivement, moi je le vois plus comme ça, j'ai plus l'impression qu'il va dans cette intention-là. Je peux peut-être te proposer ça, et puis on peut discuter éventuellement avec le DA. Bon, après, tu as des DA plus fermes que d'autres qui veulent, peut-être pas dire t'imposer leur vision, mais qui ont une idée précise en tête, et qui veulent absolument que tu fasses cette chose-là. Mais sinon, tu peux dire, bah, écoute, moi tu me dis de le faire plus colérique. Je sais pas, je regarde l'image, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus doux, est-ce que je peux te proposer ça? Et puis ça marche ou ça marche pas. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ce que je viens d'entendre ici, surtout la longueur, c'est qu'on parle ici, qu'on parle d'intention. On ne parle pas d'intonation. C'est quelque chose que parfois les gens confondent. Et c'est vrai qu'à l'intérieur d'une intention, il peut y avoir différentes nuances. Et donc, quand on joue des personnages en live, c'est-à-dire des acteurs en chair et en os, parfois, c'est vrai que, il faut essayer d'approcher vraiment au maximum de l'intention de départ. Mais on peut parfois simplement la retravailler, mais avec le respect de ce que, de la version originale, bien sûr. Et ça arrive parfois qu'effectivement il y ait moi j'ai pas d'anecdote particulière, mais qu'il y ait un petit désaccord avec le directeur artistique parce que lui voit une chose et vous voyez pas exactement la même chose. Alors après de toute façon, c'est le directeur artistique qui a le final cut, de toute façon, quoi qu'il en soit. Mais on peut revoir encore ensemble et se dire, tiens, est-ce que tu t'arrêtes vraiment là-dessus? Parce que moi, franchement, je ne vois pas la même chose. Et puis parfois, en bout de course, on ne voit pas la même chose. Et comme je dis, c'est le directeur artistique qui, lui, de toute façon, va trancher. Puisque de toute façon, son travail sera jugé aussi par le client. Et donc, on ne peut pas, nous, trahir ça. Il y a un exemple qu'on a tous vécu, hein, mais alors ça c'est sûr et certain, qui traduit relativement bien cette différence entre intention et intonation. C'est « I love you ». On a tous dit « je t'aime » plein cadre « I love you ».« Je t'aime » en français, ce ne sera jamais synchrone avec « I love you ».« Je t'aime », ça se termine avec la bouche fermée. « Je t'aime » et « I love you », ça se termine avec la bouche en rond. Eh bien si on y croit en français, quand l'acteur français dit « je t'aime » sur « I love you », ça veut dire qu'on est en plein dans le domaine de la synchro. Ça passe tout de suite. Voilà. Parce que, en vrai, dans les mouvements de bouche, ça ne pourra jamais, jamais être synchrone. C'est donc bien que l'intention prime et l'intention est perçue. Le sentiment. Quand c'est bien fait. Ouais, le sentiment. Jouer, voilà, faut être dedans, c'est tout. C'est... Voilà. Alors, je vais peut-être parler d'un petit point qui fâche. I love you. Voilà. I love Moi you aussi. Too. Moi aussi.
Commence pas, je t'ai dit. Hein. Me too, je vais te piquer, tu sais. Et après, on passera aux questions du coup du public. Ça sera après à votre tour, à vous. Moi, je voulais quand même parler d'un... C'est plus un phénomène, parce que maintenant, ça fait plusieurs années qu'on le constate de plus en plus. C'est que moi, quand je vais au cinéma, je vais beaucoup au cinéma, et je trouve de moins en moins de VF dans mon cinéma. Il faut que je trouve une petite salle, etc. Ou alors, c'est une séance qui va être à 22h, alors que je vais avoir 3 VO. J'en ai parlé d'ailleurs un peu à Jérémy hier, notamment sur Dune, où j'ai dû faire des pieds et des mains. Pourtant, c'est un gros groupe qui le projetait. Et pour voir une VO, il n'y avait pas de souci. Par contre, une VF, c'était galère. Comment ça se fait au final? Enfin, moi, vous travaillez tout le temps, on le sait, on s'appelle souvent, on s'écrit souvent. Et puis, au final, moi, je vous vois quasi plus nulle part, quoi, à part sur mon Blu-ray. Ça reste quand même encore une exception, parce que plus de 80% des entrées de cinéma sont en français, de toute façon. Il y a 15-20 ans, c'était 95%, bon, ça baisse un peu. C'est sûr que quand on habite une grande ville comme Lyon, il y a forcément des cinémas, entre guillemets, d'arrêt d'essai, qui vont être plus pointus, qui vont plus passer la VO. Mais dans les grands groupes, les grosses machines et tout ça, il y a beaucoup de VF. Et puis aussi certains films où c'est le réalisateur qui ne veut pas que son film soit doublé au cinéma. Il le sera pour les plateformes, pour les sorties vidéo, pour tout ça. Mais on arrive quand même à... C'est relativement rare ça quand même, qu'un réalisateur ne veuille pas que, qu'il y ait de VF de son film. Je ne sais pas, mais... Il y en a celui avec le film avec Joaquin Phoenix, Inherent Vice. Il est sorti au cinéma mais c'est pas le Thomas Anderson, ça. Voilà, donc... Voilà. Et c'était doublé pour les sorties vidéo et les plateformes, pour les Blu-ray et tout ça. Il y a un certain nombre d'années, j'ai joué dans un film où le cœur du film, c'était que les gens ne se comprenaient pas, puisqu'ils ne parlaient pas la même langue. Et ce film, le réalisateur m'a dit, en fait, ça va être impossible de le doubler, sauf en Italie, il m'a dit. Parce qu'en Italie, on double tout, systématiquement. Alors ce film, j'ai essayé de l'imaginer doublé. C'est pas possible, puisque c'est ce que je disais, le cœur du film, c'est que les gens n'arrivent pas à communiquer, n'arrivent pas à se parler, puisqu'ils parlent un anglais, l'autre serbo-croate, les autres français, et donc c'était impossible. Hein, en Italie, ils l'ont fait. Ouais. Personne n'a rien compris, d'ailleurs. Bah, à mon avis, non. Après, il y a des films qui sont juste pas doublés, parce que le budget ne le permet pas, sachant que c'est des petites... c'est des petites distributions. Hein. Il y a l'exemple des films asiatiques qui sont très peu doublés parce que c'est des publics de niche, entre guillemets, même si ça commence à fonctionner de plus en plus. Ou les films français, ils sont très peu doublés. C'est vrai qu'ils ne sont pas doublés. la VO, c'est la VF. Mais non, moi je me demande si ça ne vient pas aussi de l'avènement du téléchargement où les gens ont eu plus facilement accès à la VO et du coup je pense qu'il y a eu un engouement, même si la VF reste toujours le plus regardée en France, je pense qu'il y a eu un engouement pour la VO qui peut-être aussi a poussé les salles à mettre plus de séances en VO. Il faudra s'interroger là-dessus, je ne sais pas. Allez, promis, c'est la dernière que je vais poser, et très court. Est-ce que vous arrivez à vous entendre, au final? Est-ce que vous arrivez à regarder une série avec vous, un film? Ou alors, il passe systématiquement en VO? Ah, s'il y a les copains avec, ouais. Ouais, voilà. Ça, ouais. Non, moi, j'ai aucun problème pour m'entendre maintenant. Ouais. La première fois que je me suis entendu... Donc on avait la chance d'enregistrer avec des... Alors on est passé de voix-là, c'était plus légère. Pendant la première fois que j'ai doublé Jason Statham, c'était dans Snatch, et la voix est plus légère. Et mon grand ami Jérôme, j'ai dit, mais comment ça se fait que maintenant la voix descend? Parce que d'abord, on comprend mieux son instrument ou ses résonateurs. Si on parle une voix plus légère, plus haute, si on descend. Donc on sait comment un instrument fonctionne, il se développe. Et peut-être comme avec une certaine maturité, on se prend peut-être moins la tête, donc la voix descend. On en parlait hier. Mais je dis, c'est pas vrai, j'ai passé de voix de merde. C'est pas possible, quoi. Et puis aussi, c'est une histoire de confiance en soi. À partir du moment où, tant qu'on fait des ambiances et tout ça, on dit j'essaye de. Puis à un moment, il y a, comme au théâtre, il y a un rôle fondateur qui fait que tout d'un coup, je suis comédien, je sais faire ça, je suis capable de. Et à partir du moment où la confiance vient, plus aucun rôle, entre guillemets, ne fait peur. On dit, là, ça va être peut-être un petit peu compliqué. Mais ça va être un challenge, même quelque chose d'excitant, même si on sait que ça va être difficile.
Voilà, mais en fait, et donc maintenant j'ai accepté ma voix, et bizarrement, depuis que j'accepte ma voix, d'abord j'ai l'impression que c'est pas moi, mais c'est quelqu'un que je connais très très bien, très proche de moi, mais c'est pas moi. Et ben j'arrive à me voir au cinéma. J'ai aucun, du coup, comme j'accepte ma voix finalement, me voir au cinéma c'est pareil, j'ai l'impression que c'est pas moi. Je dis tiens, oh là, toi il est bien là. Je dis, ah, là. Si c'était à refaire, là, l'acteur, je l'aurais pas dirigé comme ça. Moi, avec la voix, en fait, c'est maintenant, m'entendre ou me voir, c'est, maintenant, ouais. C'est bon. Moi c'est, j'ai fait de l'image avant de faire de la voix, enfin, avant de faire du doublage. Donc, j'avais déjà l'habitude, entre guillemets, de me voir et de m'entendre à la télé. Ouais. Bon, et je vois toujours ça dans un truc de je retravaille dessus. C'est-à-dire que quand je me vois ou quand je m'entends, ça me sert à dire ah putain, j'aurais peut-être pas fait ça. Pardon, je suis grossier. J'ai assez vite appris à avoir une distance et de voir ça dans un objectif de travail de pour progresser. Voilà, pour progresser. C'est ça. Et puis il y a toujours un truc aussi. Je ne supporte pas de me voir ou de m'entendre sur des vidéos de vacances, par exemple, où je suis moi, où j'oublie, où je me vois moi, où je m'entends moi. Là, c'est insupportable. En revanche, à partir du moment où il y a le filtre du personnage, quand je suis derrière, que ce soit à l'image ou en voix, un personnage, c'est pas moi. J'arrive, un peu comme toi, j'arrive à avoir cette espèce de distance où même aujourd'hui, comme tu disais, je peux entendre des trucs et dire « Ah, pas mal !» Ce qui est, tu vois, c'est un peu, ça pourrait être présomptueux, mais voilà, j'ai une autre appréciation de tout ça à partir du moment où je suis, où c'est pas moi finalement, où j'interprète quelque chose, où j'ai un masque dans la voix, voilà, ça me donne une distance. En revanche, moi, le film des dernières vacances au bord de la mer avec les copains quand on fait un barbecue, c'est insupportable, je ne peux pas m'entendre, je ne peux pas me voir. Parce que t'es sous et tu laves. Bah, parce que je suis complètement bourré. T'es sous et t'as la labiale molle avec le short mauve et tout, c'est insupportable. Mais voilà, non, enfin. Un bon, boa à fleurs, en fait. Oui, ah oui, tu te rappelles de cette. Insupportable. Voilà, mais c'est. Ouais, on arrive à avoir une distance, quand même. Enfin, en ce qui me concerne. Ouais, tout comme toi. Non, mais pareil, je pense que dans un premier temps, c'est toujours un peu dur de s'entendre. Comme pour tout le monde, la première fois qu'on entend sa voix sur un répondeur, c'est insupportable, c'est pas notre voix. C'est malheureusement la voix que les gens entendent, donc ça peut être un peu compliqué, il faut l'apprivoiser. Moi en plus j'ai commencé avant aussi par de la voix off, donc la voix off, t'as le casque sur les oreilles, donc t'as tout le temps ta voix en permanence en temps réel, donc ça permet aussi de l'apprivoiser. Après honnêtement ça dépend des rôles, il y a des rôles sur lesquels je m'entends, j'aime pas, d'autres où ça passe bien, mais je pense aussi ça passe par le filtre de la personne, comme tu disais, sur le fait que, tu vois, tu dis que t'aimes pas te voir dans des films de vacances quand c'est toi, il y a des choses parfois dans des rôles qui sont trop proches de toi pour que tu arrives à les apprécier sans que ça te fasse un petit truc. Ça peut être aussi un truc de comédien, selon les comédiens, plus c'est loin de toi, plus ça peut être facile. Ça veut pas dire que tu peux pas ne pas interpréter ce qui est proche de toi, mais du coup, ouais, c'est ça dépend. Il y a des rôles que j'aime bien, il y a des rôles que ça me gonfle, je préfère pas m'entendre, ça me pique les oreilles, mais je pense que c'est à peu près pareil pour tout le monde. Moi, c'est la raison pour laquelle j'adore faire des dessins animés et que j'en fais plein d'ailleurs, parce que généralement, c'est pas ma voix, que ce soit la voix de Fozzie dans les Muppets Baby, ou la voix de Rick, de Zorro, ou même la voix de George, le père de Barbie, parce que ça, c'est quand même nettement moins sexy que le reste. Ouais, je fais la voix de George dans le père de Barbie, toujours de bonne humeur. Insupportable. 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 Mais même quand je fais Georges, ben voilà, je suis dans une énergie différente de la mienne. Je suis même dans un phrasé, puisque lui, il articule, par contre. Et donc, voilà, du coup, je m'en éloigne. Et c'est pour ça que c'est vrai, effectivement. Et la voix de effectivement, quand tu t'entends, putain, genre, on t'a filmé, tu te réentends et tu fais, ah, c'est ça ma voix. Merde, qu'est-ce que c'est moche. Et qu'est-ce que j'ai une petite manière de parler, là. C'est, moi, il y a un truc que je déteste. On le fait des fois pour des promos quand on a la chance de doubler des gros personnages, par exemple comme le Chapoté ou Joaquin Julian, c'est que tout d'un coup, on te filme en train de doubler. Alors ça c'est quelque chose, parce qu'on est obligé de se mettre physiquement dans des fois, faire le con. Bonjour, ça va, machin. Et là, tout d'un coup, on va te filmer pleine tronche. Avec une énergie qui va pas être, et non, mais en même temps, comme c'est un petit laboratoire intérieur, qu'on essaye des choses, tu vois, c'est comme quand on répète au théâtre, et des fois pour des histoires pédagogiques, il y a des répétitions
public. Ça, je déteste parce que tout d'un coup, on est, à partir du moment où quelqu'un, un public regarde, on est en représentation, on n'est plus en recherche. Donc tout d'un coup, on se regarde, on n'arrive pas à se lâcher. Et là, tout d'un coup, la peur d'être ridicule, ou tout d'un coup, on est un peu limité, on n'est pas à l'aise. Et moi, j'aime pas du tout. Ça, par contre, j'aime pas, mais on le fait. Mais je vous êtes sûr? Non, parce que moi, je vais grimacer et tout, donc c'est vraiment très très con et tout. Ah, ça vous fait rire? Bon, d'accord. Voilà. Mais on le fait. On se met dans des postures. Mais ça, j'aime pas ça. Voilà. Mais bon. Alors du coup, messieurs, le temps passe super vite au final. Il est déjà 9h. Et il est déjà, voilà, c'est déjà la fermeture du salon. Et c'est bientôt l'heure de l'apéro. On va peut-être prendre 2-3 questions très rapidement. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, jeune homme, si tu veux descendre à la limite. Mais il faudrait si tu veux que je monte, c'est comme tu veux. Ou si quelqu'un peut faire passer un micro. Tu feras gaffe, t'as... Ah, ils viennent à deux, attends. Très drôle comme costume. C'est très très drôle comme. J'ai pas compris tout de suite, pardon. C'est magnifique. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors moi j'ai deux questions. La première, est-ce que c'est vous qui choisissez vos rôles ou est-ce que de temps en temps on vous les impose? Et la deuxième, c'est si jamais vous pourriez prendre un peu de temps pour nous raconter votre pire ou votre meilleure expérience dans une scène, dans un doublage. Non, on choisit pas. On choisit pas nos rôles. On est pressenti, comme on l'a expliqué. Le directeur artistique pense à toi puisque on t'est connu, voilà, machin. Tu fais partie dans la banque de données mentale et affective de tout un chacun. Et le DA a vu le film, bien sûr, et il t'a pressenti pour un truc. J'ai un seul souvenir de mettre, alors je me suis pas imposé, mais d'avoir vraiment réclamé à corps et à cri de faire quelque chose dans un film, c'est exclusivement à cause de son titre. Ce film s'appelle Dunkerque et je suis de Dunkerque et il n'était pas question un seul instant que mon nom ne soit pas dedans. Donc le gars qui se chargeait du doublage, qui est la même personne sur laquelle on était ensemble avec Dark Knight Rises machin là, je lui ai dit Michel. D'accord. Je vais camper devant la porte de chez toi tous les jours jusqu'à ce que je sois sûr et certain que tu me files un rôle dans Dunkerque. Toute chose étant égale par ailleurs, il m'a même pas trouvé un rôle de français. Donc j'ai dû prendre l'accent hollandais parce que c'était le seul truc, le tout petit truc qu'il m'avait trouvé, c'était un gars hollandais qui venait rechercher les mecs. Voilà. C'est la seule fois où j'ai eu l'impression de m'imposer comme doubleur. C'est pas grand chose. On choisit pas nos rôles. Moi, je sais que j'ai très, enfin, pas, j'ai pas eu à beaucoup insister, mais pour Negan, j'avais prévu, c'est Benoît Dupac, donc super comédien, super copain et super DA, qui assure le doublage de Walking Dead depuis le début, et ça faisait longtemps qu'on voulait bosser ensemble. Et je lisais la BD, moi, de Walking Dead, j'étais fan de la BD, j'avais un peu mis de côté la série, et j'attendais que Negan arrive dans la série. J'avais dit à Benoît, le jour où Negan arrive, quel que soit l'acteur, je veux passer les essais, je veux être dessus, je veux être sur le coup. Quand j'ai vu que c'était Jeffrey Dean Morgan, que je doublais déjà sur deux autres séries, que j'avais doublé sur un ou deux films, j'ai appelé tout de suite Benoît en disant voilà. J'ai pas eu à insister beaucoup parce que il a compris tout assez vite le truc et il a eu peur. Et il a eu peur. Il a eu un peu peur hein, parce que c'était un petit peu hystéro. Mais mais c'est vrai que parfois il y a des rôles dont on a envie. Bane, par exemple, c'est pareil. Je venais de doubler Tom Hardy sur un autre film. Je sais qu'il cherchait un mec pour faire Bane, qu'il ne trouvait pas, apparemment. Il cherchait depuis un petit moment. Je me suis permis d'appeler Michel Derain, donc voilà, notre ami EDA, par le biais de... Je le connaissais pas, par le biais d'un autre ami, machin, qui m'a dit, appelle Michel de ma part, etc. C'est lui qui va assurer le doublage de ça. J'ai dit, écoutez, je viens de doubler Tom Hardy sur un truc. Est-ce que, étant fan de comics moi-même, est-ce que je peux faire les essais pour Bane, s'il vous plaît, monsieur? Il a eu peur aussi et voilà. J'ai passé les essais, c'est passé. Mais on décide pas, non. On n'a pas nos. Si on pouvait choisir, ce serait magnifique. Bon, voilà. Donc comment on choisit, on choisit pas. Voilà. Alors moi, mon souvenir le plus compliqué, c'est mon premier doublage. Moi, je suis en cours de théâtre à l'école du studio théâtre qui est devenue l'ESCA maintenant, une école comme le conservatoire, une école nationale, mais il y a longtemps.
Et on fait une poétique sur les poètes surréalistes, il y a un public, et là il y a un Jean-Pierre Carasso, qui est un auteur qui traduisait les grands ouvrages américains en français, avec un directeur de plateau, celui avec lequel tu as commencé, Jean-Marc Pantier, et il doublait Showgirls, le film de Verhoeven qui se passe à Las Vegas et tout ça. Et puis il me voit sur scène, il dit tiens, ce serait pas mal, même voix, même énergie, t'en as jamais fait, c'est pas grave, c'est un film cinéma, 35, parce que 35 mm avant c'était la pellicule, il dit voilà, on va avoir du temps. Et je me pointe à 14h30 pour faire le mec qui prend la gonzesse en autostop. Et mes boucles arrivent, il est 18h45, ils sont un peu de retard, Et toi c'est la première fois que t'en fais, t'as 15 personnes, des vieux de la vieille, puis des gens qui sont... Et toi on te demande d'aller donc dans la cabane, parce que pour en faire un son extérieur, le son est mat, parce qu'ici ça résonne, donc pour faire un son mat, on te met dans une cabane en tissu, parce que ça résonne pas, quoi. Donc tu vois pas les gens, comme ça t'as le micro qui est devant, voiture qui roule, à fond les ballons, fenêtre ouverte, musique, et le mec il parle fort, et moi je pense théâtre, micro, donc je fais le truc. Il dit, ça s'arrête, la séquence s'arrête, et là t'entends, Bon, on va écouter avec la VI. La VI, c'est tout le bruitage, toute la bande-son en dehors des dialogues. On m'entendait même pas. Alors le directeur plateau vient me voir, il fait, non, il faut que tu t'imagines que tu es dans la voiture et tout ça, tu vas avoir l'air un peu con, parce que tu vas te mettre à gueuler, ouais, alors je vous emmène où, vous allez à Las Vegas, machin. Mais tu vas voir, dans l'image, ça va aller. Et puis ça part. Scène de départ, ça se passe pas trop mal. Et puis arrive à la scène de fin. Le personnage revient à la scène de fin. Et là, la gonzesse le braque, alors il y a toujours la musique, la voiture, le machin et tout. Et le mec, il parle super vite, et la gonzesse le braque avec un cran d'arrêt. Et là, il dit, promis, je vous emmènerai où vous voudrez, dans le Massachusetts, tout ce que vous voulez. Voilà, Massachusetts. On va la refaire, ça passe pas. Alors, mais promis, je vous emmènerai dans le Massachusetts. Et là, tout d'un coup, et là, les mecs sont là. T'sais, on a le droit de fumer dans les studios, il y avait les mecs qui fumaient des gitanes et t'entends les clubs qui se tapent sur les montres. Ding, ding, ding. Machin, 5-6 prises, 10 prises. Là, on arrive, là, il y a du retard. 20h, là, il est 20h. Il est 20h, il doit avoir déjà terminé. Ils ont terminé le doublage du film, il était 3h du matin. Et le directeur de plateau vient me voir, il me fait, écoute Boris, t'es tout à fait capable de le passer, j'ai pas le temps, je vais être obligé de te remplacer. Ça faisait 3 mois que j'avais plaqué ma maîtrise de droit pour faire comédien et tout. Et j'habitais une petite chambre de bonne à Levallois-Perret sous les toits pourris. Un truc comme ça, et je vois un message sur mon répondeur. Et c'était un ami avec qui j'étais chez les Jésuites. Il me dit, écoute, j'ai un problème avec un comédien, viens le remplacer. Demain, répétition, et on est parti en tournée après. Voilà, mon premier doublage. Autant vous dire que depuis, il s'est très très bien dit. Oui, je me suis... Massachusetts, maintenant c'est bon. Massachusetts, voilà. Puis il a progressé, le petit. Voilà. Il a fait du chemin. C'est marrant parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai dû dire... Massachusetts dans un film, voilà. J'y arrivais pas non plus. C'est insupportable. Pourquoi ils habitent pas, je sais pas, dans l'Ontario, Wyoming, dans le voilà. Connecticut, ça c'est, ouais, c'est compliqué. Moi, j'ai plein de bons souvenirs en fait. Y en a un, c'est à un moment, j'oublais Pomme et Oignon, ça s'appelle. Dans lequel je joue une pizza. Tu fais des trucs très très chelous quand même. C'est pas une blague. Toi, t'es spécialisé dans les trucs chelous en fait. Pomme et oignon, il faisait une pizza. Okay. Mais je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Excuse-nous. Hein. Si vous connaissez pas, il faut faire des recherches. Ah c'est bah ouais, je vais chercher ça. C'est complètement pété comme truc. Je sais pas sur quoi c'est diffusé ce machin. Mais personne ne sait. Personne sait. Mais non, mais personne ne sait. Mais c'est vraiment très drôle. Et c'est barré de chez barré. Et à la fin d'une boucle, comme ça, je me suis écrié. Quand j'avais 6 ans, j'avais juré de ne jamais travailler. Et ben, ça y est, j'y suis arrivé. Ce qui n'est pas vrai, parce que le doublage, on pourra tous vous le confirmer, ça représente beaucoup de travail, mais on le fait dans une telle joie. C'est un boulot génial. On est conscient de la chance qu'on a. Il suffit de nous entendre parler pour comprendre qu'effectivement, on est conscient de cette chance et que voilà, c'est joyeux. Sauf Boris qui a des soucis avec la machine. Mais sinon encore un très bon souvenir, c'est à la fin du confinement ferme, ma première boucle. Quand je suis retourné en micro, au micro, ça faisait 2 mois qu'on n'avait plus pu causer dans un micro, mais putain, mais j'étais
mais l'homme le plus heureux du monde. J'étais limite hystérique, en fait. Et puis, un troisième bon souvenir, c'est quand, pour ceux qui connaissent, la saison 3 de Rick et Morty, l'épisode 3, Rick Cornichon, Morty était passé avant moi, et je l'avais dans l'oreille. On a dû arrêter le doublage pendant une demi-heure parce que j'étais couché par terre, mort de rire, en entendant mon pote dans l'oreille, quoi. Voilà. Et les mauvais souvenirs, je n'en ai pas, puisque j'ai une mémoire sélective et tout ce qui est mauvais, je l'oublie. Du coup, je vais proposer de faire très rapidement pour la fin. Il nous reste quelques petites secondes. Du coup, Jérôme, Bastien, de votre côté. On a commencé en retard, donc ils vont attendre les autres. minutes. Moi, j'ai plus de micro. Est-ce qu'il y a encore une question dans le public, peut-être question de public. Oh, mais c'est vrai, on est bien là. Une chance à un ami, le Joker, tout ça. Voilà. Enfin, minutes, machin. Alors, hop, le premier qui chope le micro pose une question. Allez du coup. Et venez. Oh, allez, regarde. Allez. Soyez pas timide. Allez, applaudissez-le. Ça fait peur. Ça va être la guerre. Allez, viens. Ça fait peur. Quel talent. T'es trop fort, toi. Ah, j'adore. Elle est partie avec ton micro. Allô. Bonjour, messieurs, déjà. Salut. Alors, j'ai deux questions, mais d'abord, j'aimerais d'abord vous remercier, parce que je suis un peu dyslexique et j'ai vraiment du mal avec les sous-titres. Donc, sans votre travail et votre corps de métier, j'aurais passé à côté de beaucoup de contenu audiovisuel, donc merci beaucoup. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule à vous remercier dans la salle. Déjà. Alors, donc, j'ai deux questions. Ma première, c'est quand vous êtes appelé pour doubler, par exemple, un film, une série ou quoi que ce soit, est-ce que vous pouvez faire d'autres choses pendant que vous doublez ça ou vous vocalisez uniquement là-dessus? Et ma deuxième question, c'est comment vous faites, par exemple, pour jouer aussi bien quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est autant en colère, vous mettant autant dans le personnage et ensuite pouvoir rentrer chez vous tranquille, fin de journée, on rentre à la maison, quoi. Je peux parler avec deux micros. Mais... faire deux trucs. Non, jouer, faire autre chose. J'ai pas. C'est la première, je suis pas sûr. Tourner, jouer au théâtre ou faire que la série sur laquelle t'es pris. Ah bah non, tu peux faire d'autres trucs. Bah, le doublage, oui, ça va te prendre selon le rôle une heure, une demi-journée, une journée, plusieurs jours. Mais dans un mois, t'as largement le temps de tourner, de faire du théâtre, de doubler. Ouais, je vous arrive souvent, oui. Ça arrive de sortir de plateau et d'aller sur scène. Il y en a plein qui. Il y a plein de comédiens qui font du doublage, qui ne font pas que du doublage et qui continuent encore à faire du théâtre. Mais quand vous doublez un contenu, vous restez sur ce film-là tant qu'il n'est pas fini ou vous pouvez faire d'autres trucs en même temps? Non, surtout une série où ça peut se faire sur plusieurs semaines ou plusieurs mois pour une seule saison selon comment ça fonctionne. Et du coup, dans une même journée, tu peux doubler sur je sais pas, deux films et une série et un dessin animé selon le temps que tu as sur chaque personnage. La deuxième question, putain, je me perds, c'était quoi la deuxième question? Moi, tu sais, le truc, c'est que j'ai un texte, je le lis, je retiens rien. C'est comme ça qu'on peut changer rapidement. Ah, si, c'est bon, j'ai. On s'est mis une question sur toi. Je me souviens de rien. Voilà, j'ai, si, d'accord. Comment est-ce qu'on peut rentrer dans un personnage et après en sortir aussi facilement, c'est ça? Surtout quand tu dis que vous pouvez faire plusieurs choses, donc pas toujours le même personnage dans la même journée, quoi. Comment vous faites pour switcher? C'est le travail du comédien et dans le doublage plus que dans d'autres domaines parfois c'est ce truc d'immédiateté, même si ça se dit pas, où il faut de disponibilité, où il faut tout de suite essayer au mieux d'être dans la situation, dans le rôle, dans l'humeur, dans l'émotion. Et puis effectivement t'es pas dans une situation comme au théâtre où tu vas progresser pendant une heure et demie, deux heures dans un rôle où tu vas vraiment te mettre dans le personnage. Je sais pas comment l'expliquer, c'est pas évident, mais c'est ce truc de comédien où t'es capable de sortir une émotion d'un coup. Comédien. J'ai dit quoi? Comédien. Oui, c'est ça. T'as une banque, de données dans ta tête, t'as une banque de données d'émotions, t'as des capacités, t'as au bout d'un moment, t'as un historique aussi de... Ça s'apprend, j'en suis intimement persuadé, ça s'apprend. Il y a beaucoup en ce moment de marchands de sommeil. Il y a les mêmes en doublage, ils vous proposent des stages. Des stages, ça coûte une blinde. Et ils vous disent, non, vous ne travaillerez jamais. Parce que ce n'est pas parce que vous faites un stage. Non, on va vous demander, soit plus en colère. Tout comme ça.
Moi, tous les directeurs de plateau avec qui j'ai la chance de travailler, quand les gens demandaient à assister, parce qu'avec le Covid, maintenant c'est très compliqué, ils disaient oui, très bien, mais j'ai fait un stage. J'ai fait, non, mais est-ce que vous êtes comédien? Je ne sais pas, est-ce que vous avez fait 3 ans d'école? Est-ce que vous avez joué au théâtre? Est-ce que vous tournez? Est-ce que vous êtes comédien? Ah, mais j'ai fait un stage. Bon, écoutez, alors allez faire vos humanités, allez apprendre votre métier, et dans 3 ans, vous venez me voir. Voilà, donc méfiez-vous de ces stages de merde qui coûtent cher, ça ne nous amènera jamais rien. Mais du tout. Ça, c'est des voleurs. Alors, il y a des stages extrêmement bien faits, des stages dits AFDAS, faits avec des comédiens professionnels, des directeurs de plateau professionnels. Et là, oui, mais sinon, il y en a beaucoup. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Méfiez-vous. Surtout. L'exercice du comédien par excellence, c'est de s'abandonner à ses émotions. C'est de savoir de faire lâcher les digues à l'intérieur pour s'abandonner totalement à ses émotions, tout en maîtrisant. Ben ouais. Comme dit Bastien, au sein d'une pièce de théâtre, on a un petit peu plus de temps. Le comédien a une heure pour passer par X ou Y émotions. Ça commence progressivement. Le type se fait monter comme ça. À la fin, c'est le bordel. Il crie. Ah, après, il est triste. Après, il est joyeux, etc. Quand on fait de la synchro, tout ça, c'est extrêmement condensé. Et il n'y a pas de répète. Et alors, il faut que ce soit un goût personnel, hein, d'être en mesure de s'abandonner immédiatement à l'absolue totalité de ses émotions. Une des plus grandes leçons que j'ai prises, j'ai pu faire court, c'est au tout début de ma carrière, nous faisions Gangs of New York avec Leonardo DiCaprio. Il y avait le type qui doublait Leonardo DiCaprio qui était là. Il était 9h30 un samedi matin, donc le lendemain de la veille, un peu comme ça. Et ouais, Damien Viteka, bien sûr. Et il terminait un programme qu'il n'avait pas pu faire la veille. D'accord ? C'était une scène donc au milieu du film. Leonardo venait de pleurer. C'était les boucles après. Eh bien, Damien, 9h30, samedi matin, tourne autour du studio, tape par terre et tu vois qu'il se passe un truc dans sa tête à lui, dans son corps à lui. Et il revient à la barre, des ruisseaux de larmes qui coulaient sur ses joues. Voilà, c'est cela qu'il faut faire pour mériter de rester dans ce boulot. Eh bien écoutez, du coup on va devoir malheureusement terminer sur ces belles paroles. Merci messieurs. Merci à vous aussi, le public. Et merci à vous, parce que si vous n'étiez pas des cintrés de notre travail de comédien, eh ben, on n'existerait pas. Donc aussi, mais vraiment, ce n'est pas de la flagornerie, ni du lèche. Voilà. Mais vraiment, merci à vous. Merci à vous, mille fois aussi. Merci, très bonne fin de salon.